L'application pour regarder les vidéos qui se trouvent sur YouTube gratuitement avec moins de données. Voilà, c'est l'application que je vais vous donner aujourd'hui. C'est une application qui va vous permettre de regarder les vidéos de YouTube gratuitement. Pas besoin de télécharger la vidéo, de re-télécharger encore. Directement, lorsque vous lisez la vidéo pour la première fois, la vidéo reste dans l'application et vous pouvez faire autant de lectures sans la connexion Internet. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, pour donner la force, je vous invite à aimer la vidéo. Ça ne coûte rien. Cliquez seulement sur le bouton j'aime et sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification juste à côté. C'est parti. L'application, les liens de l'application, je le mettrai dans la description. Et pour les gens des iPhone, des téléphones avec les systèmes d'exploitation iOS, allez sur votre App Store et téléchargez l'application. Ça s'appelle SnapTube. Voilà. Allez sur votre App Store, téléchargez SnapTube. Après avoir téléchargé, vous allez ouvrir l'application. Voilà, je suis dans l'interface de l'application. Voilà, j'ai YouTube, il y a plusieurs réseaux sociaux. J'ai YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram, et ainsi de suite. Voilà, comme notre objectif d'aujourd'hui est de regarder les vidéos qui se trouvent sur YouTube, on clique sur YouTube. Voilà, je n'ai pas encore ouvert la connexion. Donne-moi une seconde pour activer. Voilà. Voilà, blablabla. Voilà, c'est bon. Et je disais que vous ouvrez l'application et ça vous envoie sur YouTube. On va essayer de regarder une de mes vidéos. Je tape mon nom, Alpha Mugisa. Voilà, Alpha Mugisa. Je suis là, j'ai cliqué sur le logo et je vais essayer de visionner une de mes vidéos. Voilà. Je prends par exemple cette vidéo. Faites la pause et la vidéo là, si vous visionnez une fois, ça va rester dans votre application et pouvez la relire autant de fois que vous voulez. Donc si seulement la bande là se charge jusqu'à la fin, c'est à dire votre vidéo est déjà téléchargée et vous n'aurez pas à perdre beaucoup de data pour la lecture des vidéos de YouTube. Comment transformer les textes à vocal, à MP3, donc à audio. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec vous aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Voilà, c'est une application très très cool qui consomme moins, pas beaucoup, par rapport à l'application YouTube proprement dite. Alors, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et lorsque vous téléchargez la vidéo, une fois que vous avez lu la vidéo, vous pouvez rattraper. Vous pouvez rentrer dans l'application pour voir si vraiment votre vidéo a été enregistrée. Voilà. Et je clique dans la bibliothèque. Vous verrez tous mes vidéos. Voilà, la vidéo que je viens de lire est là. Voilà, vous pouvez la relire autant de fois que vous voulez. Alors, j'espère que c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Bye bye. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.